tu veux venir avec moi ? Mais tu peux, hein, si tu veux. Non, parce que moi, j'ai orienté les parents au départ. Parce que tu vois, ils ne peuvent pas continuer à dire. Oui, non, oui, c'est ça. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai eu le plaisir de croiser certains ou certaines du coup, au stand directement. Donc, je suis Thibaut Pombé, je suis le directeur de la licence de sciences de l'éducation donc sur le campus de Paris et aussi à Reims et même à Rouen en septembre, à partir de septembre prochain. Donc, je suis maître de conférence en sociologie, donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée porte ouverte. Donc, je vous accueille tout seul, on a une équipe évidemment qui est restée au stand au cas où il y a des personnes qui ne suivent pas la conférence, voilà, pour évidemment leur demander des informations complémentaires à moi-même ou à cette équipe au stand après. Donc je remercie aussi les organisateurs de cette journée porte ouverte et de nous accueillir. Alors, on a de la chance, on a une des plus belles salles. On a un auditorium magnifique qui n'est pas si récent, qui n'est pas si ancien que ça, hein, qui date de 2 ans de mémoire. Donc voilà, on a de la chance d'être dans une plus belle salle. Et du coup, moi je suis donc le directeur de la licence qui appartient à la faculté d'éducation et de formation. Donc vous entendrez peut-être des fois mes collègues parler de FACEF. Alors, FACEF, Faculté d'éducation et de formation. Donc, c'est une des 6 facultés de l'Institut catholique de Paris. Donc, l'Institut catholique de Paris, il y a, voilà, à ce sens, 6 facultés, nous en sommes une, et qui propose donc une licence, qui est celle-ci, master aussi et doctorat. Et je vous parle de cette faculté, puisque historiquement, elle s'appelait avant, on voudrait peut-être parler aussi de l'Institut supérieur de pédagogie, qui a été ouvert dans les années 60, en 63, et qui développait des pédagogies alternatives, innovantes, communautaires. Alors je vous invite, si vous voulez voir un petit peu à quoi peuvent ressembler ces pratiques, il y a sur YouTube un film qui a été réalisé par des enseignants chercheurs de notre faculté, un petit film qui s'appelle « C'est quoi un pédagogue ?». Alors si c'est dit comme ça, c'est parce que du coup c'est des enfants qui se posent cette question-là, mais c'est quoi un pédagogue ? Et du coup ils ont interviewé en fait des enseignants-chercheurs de cette faculté depuis des années, et pour voir un petit peu les valeurs de l'institution. Alors quelles sont-elles ? Des valeurs d'inclusion, de pédagogie active, j'en ai parlé, d'apprentissage par l'expérience, ça c'est quelque chose qui est important, je vais en reparler avec la dimension des stages et de la professionnalisation, l'idée voilà, de vraiment mêler théorie et pratique. Et le but, c'est d'aider les étudiants et étudiantes qui viennent à concevoir leur propre vision de la pédagogie et de l'éducation. Donc c'est une licence de sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation sont un champ disciplinaire. Un champ disciplinaire, ça veut dire qu'il y a plusieurs disciplines qui la fondent. Donc principalement, on en retient 4. La psychologie, la sociologie, l'histoire et les didactiques. Il y en a d'autres. Principalement, ce sont ce qu'on appelle parfois les 4 disciplines mères des sciences de l'éducation. Donc, en sciences de l'éducation, autant d'auteurs, autant de disciplines qui aident à penser les objets d'éducation et aussi les phénomènes actuels de nos sociétés. Et évidemment aussi, c'est un enjeu des phénomènes à venir. Quelque chose d'important, c'est que notre licence de sciences de l'éducation, ça va vous intéresser dans le cadre de cette JPO, j'en ai porte ouverte, délivre ce qu'on appelle un diplôme national de licence. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'on est un établissement privé, mais comme on dit, sous contrat avec l'État. Il y a un jury rectoral qui se tient, qui valide les diplômes pour délivrer des diplômes qui sont valables en fait sur le marché de l'emploi ou pour rentrer dans des masters, rentrer dans n'importe quelle autre université. Ça valide des crédits européens, les fameuses ECTS. Voilà, et vous pouvez du coup poursuivre après à partir de cette licence. C'est très important et je reviendrai sur les débouchés. Peut-être dans ce panorama des licences en sciences de l'éducation, puisqu'en région parisienne, on est plutôt quand même bien fourni, la singularité de cette licence, et ce n'est pas la responsable pédagogique, Madame Évrard, qui est là-haut, qui me contredira, c'est que c'est les stages qui sont vraiment très importants au sein de notre cursus, parce qu'elle est évidemment également responsable des stages. Il y a 2 semaines de stage par semestre. C'est-à-dire que la première année en L1, vous avez 2 semaines de stage.
Le deuxième semestre, 2 semaines de stage. La deuxième année, ce qu'on appelle la L2, 2 semaines de stage. Et là, à partir du deuxième semestre de la L2, 3 semaines de stage. Donc, la dernier semestre de la L2. Et la troisième année, 3 semaines de stage au premier semestre, 3 semaines de stage au second. Donc, il y a vraiment une dimension extrêmement importante de ces stages qui peuvent être effectués dans le domaine de l'enseignement public ou privé, mais également dans celui du social, du culturel, de l'éducation spécialisée. Vraiment, vous pouvez prendre le temps aussi de... Nous, on vous encourage à faire des stages variés dans des domaines pour voir un petit peu, parce que c'est vrai que quand on arrive dans une licence de sciences d'éducation ou quand on sort du bac, on se dit bah, il y a que 2 métiers. Il y a où je suis enseignant, où je suis éducateur spécialisé. Il y a plein d'autres métiers, j'y reviendrai, de cadre d'éducation... par exemple les cités éducatives, j'en parlais avec une étudiante tout à l'heure, voilà, on peut être coordinateur de cités éducatives pour fédérer les acteurs autour de l'enseignement primaire. Il y a beaucoup de métiers qui émergent aussi. Donc, faut pas oublier aussi, c'est un des conseils que je vais vous donner, ne pas vous laisser enfermer trop vite aussi dans des disciplines, dans des métiers, de prendre le temps aussi de découvrir des auteurs, des champs, etc. Donc ça, cette licence, elle essaye de trouver le meilleur équilibre, si vous voulez, entre formation universitaire et ce qu'on appelle aussi professionnalisation, ce qui vous permet d'avoir des compétences professionnelles pour être opérationnel dans une entreprise, dans une classe, etc. Donc pour les stages, vous pouvez aussi les faire à l'étranger. Donc voilà, il y a des étudiants qui sont allés en Autriche, en Australie, au Brésil, en Espagne, au Canada. Il y a une liste de stages qui vous est proposée chaque année. Et ça vous permet vraiment de développer une connaissance des problématiques éducatives dans leurs différentes dimensions, de voir un petit peu dans différents milieux professionnels les problématiques que rencontrent les professionnels sur le terrain. Alors, je le disais, beaucoup de jeunes qui rejoignent cette licence ont souvent envie, et c'est le cas encore aujourd'hui, j'entends, voilà, être professeur des écoles ou responsable de vie scolaire ou CPE. Donc, cette maquette, elle a évidemment tenu compte de cela. Elle s'appuie d'ailleurs sur ce qu'on appelle le référentiel, je ne me trompe pas parce que c'est un mot officiel, le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation. Ça, vous pouvez chercher, c'est ministériel, c'est-à-dire que c'est vraiment national. C'est donc le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation. Vous avez un ensemble de compétences qui sont attendues pour travailler dans l'enseignement et dans l'éducation. Et donc, cette maquette, elle essaye, en fait, ce qu'on appelle maquette, c'est une liste de cours, en gros. Elle essaye de s'adosser, si vous voulez, à ce référentiel. Petite particularité pour ceux qui veulent être éducateurs spécialisés ou éducateurs et éducatrices spécialisés ou éducateurs et éducatrices de jeunes enfants. On peut en discuter, mais je vous rappelle que c'est un diplôme d'État qui se prépare dans une école de travail social, souvent des IRTS, Instituts Régionaux de Travail Social. Il y a d'autres écoles qui y préparent, mais la licence en l'État ne vous permettra pas, à l'issue de cette licence, d'être éducateur spécialisé ou éducateur de jeunes enfants. Il y a des passerelles possibles, il existe des possibilités de bidiplomation qui ne sont pas encore effectives dans notre licence, mais ça va peut-être venir au fil des années, donc vous aurez aussi peut-être cette possibilité-là. Mais voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, parce que des fois, dans un sens comme dans l'autre, certains se retrouvent dans une licence et puis voulaient être éducateur spécialisé, ou en IRTS et finalement voulaient être enseignant. Donc voilà, il faut savoir que ça ne se prépare pas aux mêmes endroits. Donc je vous l'ai dit sur les débouchés, j'en parle tout de suite puisque c'est évidemment ce qui intéresse aussi dans le cadre d'une JPO. Donc évidemment le professorat des écoles, donc principalement ce qu'on appelle le premier degré. Premier degré, c'est maternelle et primaire. Et ce qu'on appelle le second degré, collège et lycée, ça c'est un autre concours du coup, qui s'appelle le CAPES ou le CAPET dans l'enseignement privé, et qui se prépare sur une discipline. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer un CAPES général, il va falloir passer un CAPES de mathématiques ou un CAPES de lettres, etc. Donc ça, il vaut mieux, quelque part, si vous êtes sûr de vouloir être prof de maths, faire une licence de maths et un master de maths pour être très performant pour le CAPES ou le CAPET de mathématiques. Il n'est pas trop tard, si vous voulez être professeur des écoles, vous commencez la licence et que vous découvrez une passion sans borne pour les mathématiques ou une autre discipline, de raccrocher une licence, ce qu'on appelle une licence de disciplinaire ou un master disciplinaire. Ah, mais il faut savoir que c'est vraiment, la licence est plutôt destinée au professorat de l'éducation du primaire et maternelle, ce qu'on appelle le premier degré.
Une fois que vous avez cette licence, il y a une poursuite d'études qui est offerte à l'ICP. Vous avez nos collègues juste à côté du master MEF, ce qu'on appelle master MEF, c'est métier de l'éducation et de la formation. Il y a 4 parcours dans les MEF, donc ça, ils vous le diront mieux que moi. Mais en gros, le premier parcours, c'est premier degré, deuxième parcours, second degré, troisième parcours, il me semble que c'est quelque chose comme ingénierie pédagogique, et le quatrième, cadre d'éducation. Nous, on vous propose 3 parcours, donc premier degré, second degré, et aussi ce qu'on appelle cadre d'éducation. Ce qu'on appelle chez nous un peu le master interne, ça c'est un master qui n'est pas destiné à être pour les gens qui ne se destinent pas forcément au professorat, mais ça peut être, comme je disais tout à l'heure, coordinateur de cité éducative, chef de projet, ça peut être de travailler dans des instituts médico-sociaux, être directeur de structure, directrice, etc. Il y a aussi à l'ICP 2 autres masters que je voudrais vous citer pour aller les voir. Le master Action éducative internationale et interculturelle, ça peut être une possibilité, un débouché. Et un master qui s'appelle Solidarité et transition durable, parcours action humanitaire, solidarité internationale, ou un parcours économie solidaire et innovation sociale. Donc je vous dis ça pour vous montrer un petit peu la diversité des champs, parce que c'est vrai que les étudiants nous disent souvent, alors souvent ils commencent à s'inquiéter dès la L2, donc là c'est bien pour ceux qui veulent rentrer en L1 d'entendre ça dès maintenant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ma licence de sciences de l'éducation, à part prof des écoles, si finalement j'ai fait 2-3 stages et je vois que ce n'est pas du tout ce que je veux faire de ma vie. Sachez qu'il y a beaucoup de débouchés qui sont possibles. Je vous les ai cités un petit peu tout à l'heure. Donc il y a cadre éducatif, ingénierie pédagogique, il y a tous les métiers de la formation et de l'intervention sociale. Ça couvre un champ très très large. Donc vous n'êtes pas enfermé, vous n'avez pas à faire un choix qui sera définitif sur le professorat des écoles si vous venez dans cette licence. Vous avez un diplôme national qui vous validera un bac plus 3 et vous pourrez tout à fait raccrocher. Vous voyez, à titre personnel, je disais à une étudiante tout à l'heure, moi j'ai commencé par une licence de musique que j'ai validée, et puis j'ai voulu faire du journalisme, alors j'ai refait une licence d'information communication, en perdant un an, parce que vous voyez, les crédits européens permettent de basculer, donc j'ai refait une L3, et là j'ai découvert la sociologie, et je me suis dit, c'est ça que je voulais faire, et après j'ai enchaîné. Mais tout ça pour vous dire qu'on peut découvrir des choses en cours de route, il ne faut pas se laisser enfermer trop vite dans les disciplines ou dans les métiers. Pour rentrer un petit peu dans le détail du programme, donc c'est une licence qui s'articule en 6 semestres. Alors ça, c'est différent du lycée où il y a des trimestres. On a des semestres, donc il y en a 2 par an. On a des champs disciplinaires. On peut vous distribuer des maquettes, ce qu'on appelle les maquettes, c'est les listes de cours. Madame Evra, la responsable pédagogique, peut vous en distribuer. Alors c'est uniquement destiné à celles et ceux qui ont de bons yeux. Je crois que c'est un peu petit, je m'en suis excusé. J'ai fait un test avec une collègue qui m'a dit « je vois rien ». Alors je dis « moi j'arrive à lire », donc j'ai imprimé comme ça. On a évidemment des formulaires plus gros, écrits plus gros à vous donner. Et c'est aussi une maquette qui se retrouve sur la page de la licence sur Internet. Vous pourrez agrandir et zoomer autant que vous voulez. Donc il y a plusieurs types d'enseignement. Il y a déjà un tronc commun de sciences humaines et sociales. Donc c'est tout ce qui va relever des sciences de l'éducation. J'ai dit philosophie, anthropologie, sociologie, histoire, psycho, etc. Il y a ce qui relève aussi, ce qui est une composante importante, des didactiques. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les didactiques. Est-ce que quelqu'un sait ce que sont les didactiques? Non? Oui? Non? Alors, les didactiques, c'est en quelque sorte enseigner à enseigner. C'est-à-dire que vous allez apprendre la façon d'enseigner. Didactique des mathématiques, vous allez apprendre à comment on apprend les mathématiques à des jeunes enfants de tel âge. Didactique du français, didactique des mathématiques, didactique de l'histoire-géographie, c'est ce qu'on enseigne aussi dans cette licence. Il y a tous les enseignements interdisciplinaires, donc de langue. Pour l'instant, on a que l'anglais, mais il y a aussi à l'ICP des possibilités de prendre des LV2 hors de la maquette. Il y a tout ce qui va concerner de la méthodologie. Donc on va beaucoup vous faire travailler aussi sur comment étayer votre argumentation à l'écrit et à l'oral. Donc on a pour ça des cours spécifiques, on a aussi recours, j'en parlerai tout à l'heure peut-être, au projet Voltaire, certaines le connaissent, c'est beaucoup utilisé aussi dans le secondaire, collège et lycée, on utilise cet outil.
il y a aussi tout ce qui relève de ce qu'on a appelé un petit peu des débats éducatifs contemporains, donc comment on favorise l'éducation inclusive, la prise en compte du handicap, comment on lutte contre la violence à l'école, le harcèlement, comment on se pose des questions de laïcité en milieu scolaire, comment on questionne les pratiques éducatives et ce qu'on appelle l'éducation informelle. Voilà. Tout un ensemble de questions qui sont un petit peu transversales dans ces métiers de l'éducation et du professeur. J'en viens à ce que j'ai appelé dans ma petite préparation les conditions d'études. Donc, c'est pas hiérarchique, c'est un peu pêle-mêle des informations pour vous dire un petit peu concrètement comment se passerait votre année ou votre semestre, vos semestres, si jamais vous inscrivez dans cette licence. Déjà pour vous dire qu'il y a une grande implication des étudiants dans le processus même de fonctionnement de la licence. Donc il y a élection de délégués qui participent à ce qu'on appelle les conseils de licence. Donc ça, les délégués font remonter, du coup sont très pris en main par des personnes qui s'appellent des responsables d'études. Les responsables d'études, ça c'est très important à noter, c'est une des particularités aussi de cette institution. Parce que ce n'est pas que notre licence, c'est à peu près toutes les licences de l'ICP. On a une personne, alors nous ne sommes que des femmes, donc je dis la responsable d'études, qui sont responsables, une personne pour les L1, première année, une autre personne pour les deuxième années, et une autre personne pour les troisième années. Ça veut dire que vous avez des interlocuteurs privilégiés dans votre groupe. Vous êtes en L1, vous avez un problème, ce soit, je ne sais pas, un problème familial, une question d'orientation, etc. Vous pouvez solliciter un entretien individuel. Voilà. Tout le monde n'est pas reçu forcément en entretien individuel s'il ne le souhaite pas, mais des fois on le propose aussi de nous-mêmes parce qu'on sent que les étudiants sont un peu perdus ou un peu en voie de décrochage. Donc il y a vraiment un suivi actif de par ce poste, donc des responsables d'études, qui donc font préparer aux délégués les conseils de licence par questionnaire, comment on construit voilà, un questionnaire, comment on va solliciter la parole des personnes dans les groupes de TD, comment on fait remonter à la plus haute instance de notre faculté, qui s'appelle le conseil de faculté, qui réunit le doyen, qui réunit tous les enseignants-chercheurs, tous les collèges, tous les représentants des types d'enseignants, etc., et aussi les délégués. Donc les étudiants et étudiantes peuvent faire remonter en fait des informations assez haut dans la faculté. On propose à l'Institut catholique de Paris une préparation pour celles et ceux qui le souhaitent à la certification en anglais. Je ne sais pas si ça vous parle, les choses comme TOEIC, TOEFL, etc. Donc c'est plus obligatoire au niveau national. Le ministère a enlevé l'obligation de passer une certification pour les licences. Avant, c'était le cas. Donc on continue à le proposer à celles et ceux qui le souhaitent avec le pôle langue de l'ICP. Quelque chose d'intéressant aussi, puisque tous les enseignants, la plupart en tout cas, beaucoup de vos enseignants à l'université sont ce qu'on appelle des enseignants-chercheurs. Ça veut dire qu'ils ont à peu près un mi-temps d'enseignement, c'est mon cas, et un mi-temps de recherche. Ça veut dire que vous allez pouvoir bénéficier en fait, des activités de recherche que nous menons. Vous allez pouvoir participer, il y a des conférences, il y a un cycle de conférences de la faculté, donc à peu près tous les mois, vous pouvez suivre en ligne ou en présentiel, ça peut être des choses sur la notation, ça peut être des choses, voilà, je disais, des débats sur la laïcité, il y a eu une séance sur l'intelligence artificielle, voilà, donc il y a des conférences qui se passent, il y a aussi des journées d'études ponctuelle. Là, il y avait par exemple les L3, les licences 3, qui avaient organisé une journée d'études sur l'interculturel en éducation, qui avait fait venir des chercheurs, etc. Donc il y a toute une vie de recherche dont vous pouvez bénéficier. L'année dernière, par exemple, on a fait un colloque de la faculté qui réunissait tous les enseignants et tous les chercheurs du coup, de cette faculté sur le thème des communautés éducatives inclusives, et on a fait venir tous les étudiants de la licence au doctorat, qui ont préparé des choses. On a même fait venir les étudiants du campus de Reims, qui étaient dans notre plus grande salle, cet amphithéâtre, c'était retransmis, etc. Et les étudiants ont chacun à leur niveau préparé des choses pour écrire dans un ouvrage collectif qui sort. Donc vous êtes vraiment rattachés, en fait, dès la L1, alors chacun à votre niveau, mais à des activités en fait, de recherche. Encore une autre chose que vous allez pouvoir bénéficier ici, c'est ce qu'on appelle les grands cours. Les grands cours, c'est des cours qui sont hors de notre maquette, qui sont dispensés par des enseignants-chercheurs de tout l'ICP.
Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre des cours. Donc, c'est lundi soir de 18h à 20h, soit au deuxième semestre. Voilà, c'est pour toutes les étudiants peuvent s'inscrire. Mais vous pouvez prendre des choses un peu hors thème. Par exemple, là, j'ai pris les thèmes de cette année. Donc, on a eu la directrice du master de la faculté d'éducation qui fait quelque chose sur comprendre la santé à travers les siècles. Voilà, ça reste encore dans l'éducation, mais il y a aussi entreprise, de la responsabilité sociale au bien commun, cinéma, images et société, science et christianisme, la mort et la fin de vie et nous, affaires personnelles ou questions sociales, etc. Donc un ensemble d'enseignants-chercheurs d'autres facultés qui proposent ce qu'on appelle des grands cours auxquels vous pouvez assister. Donc ça fait aussi des ouvertures. Il y a des possibilités de mobilité à l'international. On vous le conseille surtout de le faire en troisième année, c'est ce que font les étudiants, parce que c'est là où c'est le plus facile aussi de le faire, notamment parce qu'il y a des universités qui demandent de faire des démarches bien en amont. Donc, généralement, au début de la L2, par exemple, on vous demande de valider, le service international demande de valider un test si l'université vous le demande, le fameux TOEIC ou TOEFL, d'où l'intérêt en L1 de commencer à y penser, parce que si vous l'avez déjà, vous pouvez le joindre à votre dossier. Et vous pouvez préparer au long de la L2 votre voyage. Donc on a plusieurs étudiantes qui vont en Erasmus dans les universités partenaires. Je crois qu'il y a 150 universités partenaires de l'Institut catholique de Paris. On a un nouveau partenariat qui émerge en Australie, si ça vous intéresse. Ils sont très désireux d'attendre de recevoir nos étudiants et étudiantes et nos enseignants. Je parlais tout à l'heure, et je vais réinsister dessus, sur la responsable d'études. Donc vraiment, il y a vraiment un accompagnement pour accompagner les étudiants et étudiantes à ce qu'on appelle, nous, la posture de l'étudiant. C'est-à-dire vraiment, les cours sont plus obligatoires. Donc vous venez en quelque sorte un petit peu pour vous. La présence dans les amphithéâtres ne sont pas contrôlées. Par contre, en TD, les absences sont pointées. Et là, du coup, au bout de deux absences, donc il y a un rappel, vous pouvez même devoir passer au rattrapage. Donc il y a un vrai suivi des absences, mais en même temps, il y a aussi un début de prise d'autonomie aussi, mais vous n'allez pas être lâché là-dessus, vous allez être accompagné dans des cours, on va vous expliquer comment vous organiser, prendre des notes, comment anticiper des travaux aussi. Parce que si vous attendez la dernière semaine et que vous avez trois dossiers, dont un de groupe, mais vous n'avez pas pris contact avec le groupe, tout s'enchaîne, c'est pas possible. Donc comment aussi séquencer un petit peu son travail. Et vous avez aussi quelque chose d'important, du tutorat. Alors quand vous arrivez en L1, ce que j'appelle le tutorat, c'est les étudiants de L2 et de L3. Vous aurez un étudiant ou une étudiante qui sera votre tuteur ou tutrice. C'est-à-dire que vous allez, le BDE organise, le bureau des étudiants, qui est très actif aussi, organise du coup une rencontre, un accueil des L1 à la semaine de rentrée et attribue en fait un ou une tutrice à chaque étudiant. Donc ça peut être pratique pour dire, en L2, puis je n'ai pas compris comment on s'inscrit, et puis alors le CROUS, où est-ce qu'on mange, et puis ça peut être bien aussi pour avoir des contacts dans des promotions un petit peu plus élevées. Au niveau des espaces un petit peu de travail, espaces de documentation, donc vous avez une bibliothèque spécialisée en éducation. Vous avez plusieurs bibliothèques généralistes ou spécialisées au sein de l'Institut catholique de Paris qui vont toutes se regrouper dans un nouvel espace qui va être derrière ces murs là-bas que vous voyez en pierre. Il y a une bibliothèque vitrée qui va regrouper toutes les bibliothèques, mais on va garder deux fonds spécifiques à la fac d'éducation. Une bibliothèque du coup sur le en éducation. Et le fonds Daniel Hamelin, qui est un grand chercheur en sciences de l'éducation, qui a enseigné ici, et un fonds qui s'appelle Théorie et pratique éducative, et qui sort des archives un peu inédites qu'on a récupérées. C'est un espace qui a ouvert l'année dernière. Il y a aussi le tiers-lieu pédagogique. Donc ça, c'est un lieu un peu hybride de détente et de travail. Vous pouvez manger un sandwich, travailler. C'est des espaces modulables. C'est un espace de vie sociale et communautaire pour un espace un petit peu ce qui serait l'équivalent du CDI, mais où vous pouvez parler, quoi. C'est-à-dire c'est vous pouvez en même temps vous isoler. Donc c'est juste à côté de la bibliothèque. Ça, c'est intéressant. Je vous ai dit, le BDE, le bureau des étudiants et étudiantes, est très actif. Vous pouvez le rejoindre d'ailleurs dès la L1. Donc ils font des voyages, des soirées, ils organisent les galettes. À Noël, ils ont fait dans chaque groupe de TD des Pères Noël secrets, où chacun ramenait un petit cadeau. Enfin ils ont vraiment des idées d'animation. On a une mascotte, du coup ils ont un costume carrément. Mais voilà. Donc ils sont assez,
assez accueillant et assez actif. Tous les mardis à l'ICP, ça c'est commun à toutes les facultés, il y a un temps de midi à 14h qui est banalisé où vous n'avez pas cours, et c'est le moment des associations. Donc les associations sont dans la cour, voilà, vous avez des associations, ça peut être culturel, ça peut être d'engagement citoyen et politique, ça peut être sportif, ça peut être festif, voilà, vous pouvez aller rencontrer les personnes pour vous impliquer. La licence, on le dit souvent, est à taille humaine, c'est-à-dire que ce n'est pas des gros groupes de TD. Généralement, c'est 20-25. Ça peut monter un petit peu plus suivant le succès aussi et les demandes qu'on a. En tout cas, les TD sont au maximum composés d'une trentaine d'étudiants. Il y a beaucoup de cours comme l'analyse de pratique, découverte des métiers. On a des cours en fait, où on subdivise encore un peu plus les groupes d'étudiants et d'étudiantes pour voilà, permettre du coup, d'avoir un accompagnement un petit peu plus restreint. Que vous dire d'autre ? J'avais noté oui, que souvent dans les questionnaires qu'on fait, c'est que l'accompagnement est un des points forts appréciés des étudiants et étudiantes. Il y a un tuteur de stage attribué, il y a le fameux responsable d'études. Et voilà, les étudiants sont suivis dans leur assiduité pour les cours en TD, et que grâce à tout ça, on a dans les chiffres alors de l'année dernière, en tout cas 98% de réussite sur ceux qui s'inscrivent dans cette licence. Pour terminer, quelques petits conseils pour les candidatures Parcoursup. Donc moi, j'ai noté que c'était le 9 mars, la date de limite de formulation des vœux. Donc sachez qu'avec maintenant, vos vœux sur Parcoursup ne sont plus hiérarchisés. C'est-à-dire que vous pouvez, je crois, faire 10 vœux, c'est ça ? Mais ils ne sont, vous ne dites pas « je veux celle-ci » et après, en deuxième, « je veux celle-là ». Ça veut dire que vous n'allez vexer personne en candidatant largement. D'accord ? Les formations ne savent pas chez qui vous avez candidaté. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs candidatures dans plusieurs facultés, dans plusieurs universités. Et pour chez nous, nous avons publié donc les attendus locaux. Et surtout, nous avons publié quelque chose qui peut vous intéresser, c'est les critères d'appréciation pour l'évaluation des lettres de motivation et des parcours professionnels. Donc, on a notamment, ça vous le retrouvez sur le site de Parcoursup, hein, on l'a publié. Parcoursup, comment ça marche ? C'est vrai qu'on m'a posé des questions tout à l'heure. En gros, on est une licence non sélective, ce qui est un peu trompeur, puisque Parcoursup, c'est la sélection à l'université, hein, clairement. Ça veut dire que les licences sélectives, c'est des licences qui font un entretien oral après. Voilà. Licences non sélectives, c'est celles qui ne font pas d'entretien oral. Par contre, on a fait un coefficient qui est publié du coup aussi sur Parcoursup. En gros, on prend, je ne sais plus les coefficients exactement, mais une partie de vos moyennes du bac et des moyennes d'anglais, une partie de vos notes, vous savez, c'est pour ceux qui étaient au lycée l'an dernier, la fiche à venir. Voilà, vous êtes noté par vos enseignants principaux et les chefs d'établissement sur, je crois, des critères, l'autonomie, l'engagement, etc. Donc, on tient compte de ces notes-là. Et aussi, il y a une grosse partie sur les lettres de motivation et les projets qu'on lit. On les lit tous, on a des personnes, on se répartit le travail. Et du coup, on cumule ces notes-là pour faire en fait une liste classée du coup, d'étudiants suivant une note. Et on propose dans ce sens-là. Rassurez-vous, il y a ici aussi un bon taux d'acceptation. Donc, par rapport à d'autres formations, on a beaucoup de places et on a des bons dossiers. Donc du coup, il y a pas non plus d'étudiants, c'est rare qu'il y ait des étudiants qui voulaient vraiment cette formation et qui ne l'ont pas, en fait. On peut même, au cours de l'été, vous rappeler, vous reproposer, même à la rentrée, quand on a des abandons ou des désistements pour des raisons de maladie, etc., par exemple, quelqu'un qui ne vient pas, on libère des places et on vous rappelle. Donc ça, n'ayez pas de... Je sais que c'est des choses qui arrivent et qui inquiètent aussi surtout les parents, voilà, d'avoir les étudiants qui restent un petit peu sans formation. On pourrait toujours même nous appeler, on pourra toujours voilà, discuter avec vous, vous conseiller, vous orienter. Donc voilà, n'hésitez pas à lire tous ces critères. J'en cite quelques-uns. L'expérience dans le milieu de l'éducation. Donc ça, on a demandé aux personnes qui évaluent, voilà, tous ceux qui ont le BAFA, qui gardent des enfants, qui ont des expériences, même des fois dans le scoutisme, qui encadrent, etc. Tout ce qui va relever de l'engagement.
quand vous parlez de vos expériences de stage, essayez de les mettre en lien avec la licence que vous visez. Ça, c'est valable pour tout. C'est-à-dire que vous dites, voilà, j'ai fait un stage en boulangerie. Essayez de nous dire un petit peu ce que vous avez appris et qui pourrait être transférable, en fait, ou ce qui pourrait intéresser. Sinon, voilà, c'est pas très cohérent par rapport... en tout cas, le mettez pas très en avant dans votre lettre de motivation. Ça pas grand-chose. Donc, il faut énoncer son projet professionnel. Clairement, vraiment. Alors, ça peut être hésitant, hein. Ça peut être dire je suis intéressé par tel ou tel métier et je verrai en fonction de ma formation. D'accord, vous n'êtes pas obligé de nous dire voilà, je vais être prof des écoles. Alors, souvent, c'est le cas, c'est pas mauvais non plus, mais vous pouvez le dire également. Voilà un petit peu, donc faites attention également aussi à la qualité globale de l'écriture. Hein. Voilà, on regarde aussi la syntaxe et l'orthographe. On pondère avec d'autres critères parce qu'on sait aussi que c'est une des sources d'idées. Enfin, moi, en tant que sociologue de l'éducation, je sais que c'est une des sources aussi d'inégalités parce que ceux qui font relire, ceux qui font voilà, ceux qui demandent à ChatGPT d'écrire leur lettre de motivation. Alors, on commence à avoir des outils pour lutter un petit peu contre ça. Mais... et aussi, un des critères, et ça, je vous le dis quand même, qu'on a mis en bonus, ça veut dire que ceux qui ne l'ont pas ne sont pas pénalisés, mais ceux qui l'ont, ont un petit bonus, c'est d'avoir participé à la journée porte ouverte. Donc n'hésitez pas dans vos lettres à nous dire que vous avez écouté une très intéressante conférence pour 30 minutes et que vous avez vu des personnes formidables au stand. Avant de vous laisser la place aux questions, juste un petit point, parce qu'il n'y a peut-être pas que des néo-bacheliers ou des gens qui veulent intégrer la L1, il y a peut-être des gens qui veulent intégrer aussi la L2 et la L3. Ça se fait hors Parcoursup. Ça se fait dans ce qu'on appelle, nous, alors c'est un jargon, on appelle ça les DDAI, c'est demande d'autorisation d'inscription. C'est un dossier que vous trouvez sur la page de la licence. Donc vous tapez licence sciences de l'éducation ICP, c'est la première page, et vous avez tout en bas du déroulé la procédure d'admission. Donc ça, vous avez des dates, en gros c'est un petit dossier à remplir, vous dites d'où vous venez, ce que vous avez fait, on vous demande, je sais pas, copie du bac, pièce d'identité, etc. Il y a tout un ensemble de dossiers, et on a les fameux jurys rectoraux, vous savez, le rectorat de Paris qui vient valider les diplômes, au même moment on leur dit, bah voilà, on a un tel qui vient de telle fac, il a validé tel ECTS, il vient, je sais pas, de mathématiques, il a une L3, bon, il a déjà validé tel truc, on le met en L2, et puis on lui demande de rattraper ça. Voilà, on négocie un petit peu les parcours. Donc ça, c'est vraiment... ça passe pas par Parcoursup. D'accord ? Si vous voulez vraiment aussi intégrer, par exemple, vous dites, même si je n'ai pas la L2, je préfère quand même avoir la L1, n'hésitez pas en backup, par sécurité, de faire une candidature sur Parcoursup aussi. D'accord ? Vous pouvez avoir déjà fait une licence et vous pouvez repasser par Parcoursup des années après, en reprise d'études. Voilà. Parcoursup, c'est vraiment pour la L1. D'accord. Voilà, bah écoutez, je vous laisse la place aux questions, puis n'hésitez pas après à venir me les poser, mais surtout on se retrouvera, parce qu'il y a un enchaînement de conférences de différentes licences, donc on se retrouvera surtout sur le stand, donc vous retrouverez donc Véronique Évrard qui est debout, qui est la responsable pédagogique de la licence sur les deux campus, qui fait partie de l'équipe de direction avec moi. Il y a aussi les fameuses responsables d'études, on en a deux, on a celle de la L1 et celle de la L2 qui sont présentes, et une étudiante ambassadrice de L2 qui pourra éventuellement aussi voilà, vous donner son sentiment d'étudiante sur la formation. Voilà, je vous remercie. Alors, je crois qu'il peut faire circuler un petit micro. Voilà, on a vraiment une petite dizaine de minutes là pour. Je crois que c'est fini à 45, donc voilà, une petite dizaine de minutes pour. Voilà, si vous voulez poser des questions de manière plus confidentielle. Bonjour, merci pour la présentation. Nous avons été voir chez la concurrence et certaines licences d'État proposent un parcours, je crois, qu'ils appellent contrat de pré-professionnalisation et à cette fin réservent 2 jours de liberté dans l'emploi du temps par semaine de manière à pouvoir s'inscrire sur le long terme dans une sorte de stage rémunéré en établissement scolaire. Est-ce que c'est une option envisageable chez vous ? C'est ce qu'ils appellent l'EAP aussi, étudiant apprenti professeur. C'est pas quelque chose qui se fait dans notre licence. Ça existe dans très peu de licences. D'ailleurs, je crois que c'est encore à l'état expérimental. Par contre, alors, j'en ai pas parlé parce qu'on est aussi en train d'y réfléchir. On mène en ce moment une enquête. En ce moment, les cours du mercredi sont... Il n'y a pas de cours le mercredi. Jamais.
pour permettre, la principale raison pour laquelle on a fait ça, c'est pour permettre aux étudiants et étudiantes qui ont besoin de travailler, comme c'est une formation payante, de gagner un peu d'argent pour pouvoir payer leur formation. Et le mercredi, pourquoi ? Parce que le mercredi, dans la licence de sciences de l'éducation, c'est souvent des métiers de garde d'enfants, souvent de centre de loisirs, d'animation, etc. Donc on est en train de voir ça. Donc normalement, ça ne devrait pas bouger, mais on est en train d'y réfléchir aussi pour trouver les meilleures conditions d'études. Donc non, ça n'existe pas. Par contre, il y a la dimension des stages qui est très forte et qui, du coup, peut ne pas se retrouver ailleurs, mais... Voilà. C'est vrai que je suis pas trop dans une logique de concurrence, mais je comprends dans cette logique de comparaison. Nous, sur ce qui vous intéresse, à mon avis, les points forts, ce serait peut-être les stages qui sont très présents, la journée du mercredi banalisée, et le fait que ça ouvre, même si vous faites une L1 là, vous pourrez faire une L2 ailleurs, un dispositif dans une licence qui propose le dispositif EAP. Et ça, il n'y a pas de contrat sur 300. Obligatoire. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais savoir combien de personnes vous prenez en deuxième et troisième année, s'il vous plaît. C'est à peu près une centaine par année. Officiellement, sur Parcoursup, on est ouvert à 120 pour les L1. Je crois que cette année, on a 103 en L1, on a de mémoire 90 en L2 et 105 en L3. Donc la moyenne est à peu près de 100. Et c'est-à-dire que votre question, c'est combien vous en prenez en plus de ceux qui viennent de la L1. Vous voyez, parce qu'en fait, par exemple, notre jauge maximale, mais on ne tient pas non plus à la faire exploser pour faire des bonnes conditions de TD, elle est objectivement, en tout état de cause, à 120. Si on a 4 groupes en L2, 4 fois 3, 4 fois 30, on se dit 30 maximum, 120, et ils sont, vous voyez, 85, 90, donc... Il y a un peu de place pour ceux qui arrivent. Et c'est prévu, d'ailleurs, on prévoit. Il y a toujours un peu de déperdition aussi, pour plein de raisons, d'ailleurs. Pas la qualité de la formation, forcément, mais ça peut être aussi des projets professionnels, des déplacements, d'autres envies, des réorientations, etc. Donc il y a un petit peu, qu'il y a 10% qui transitent toujours un peu, donc... Et faire partie de ces 10% entrants, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour et merci pour votre présentation. Votre formation, la licence, elle oriente plutôt vers des carrières dans le public ou dans le privé ? Les deux, j'ai découvert ça moi-même en arrivant ici, je ne connaissais pas trop l'enseignement privé. En fait, j'ai appris que le jour du concours de professorat des écoles, en fait, les publics et privés sont dans la même salle. Alors, je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais grossièrement, vous avez la même feuille de concours et vous devez cocher public ou privé. Donc c'est la même formation. Les différences, en fait, c'est, si vous voulez, en termes de stratégie, c'est qu'il faut regarder par académie le nombre de postes d'enseignants à pourvoir. C'est-à-dire que le nombre d'enseignants, le poste d'enseignants à pourvoir n'est pas pareil dans le public et dans le privé, forcément. En Ile-de-France, il y a quand même, vous le savez, un fort besoin d'enseignants. Donc les concours sont accessibles avec des moyennes souvent un peu plus basses que dans d'autres académies. Donc il faut voir par académie, en fait, là où vous voulez candidater. Sachez que du coup, quand vous êtes dans une académie, c'est assez difficile d'en changer dans l'éducation nationale. Après, il faut avoir des points pour candidater ailleurs. Il y a des académies qui sont très, très difficiles à obtenir. Par exemple, en Bretagne, c'est une des académies. L'académie de Rennes, par exemple, c'est une académie extrêmement difficile où, avec 16,5 de moyenne au concours, vous pouvez ne pas passer à l'oral ou ne pas avoir... Voilà. Donc ça dépend. L'autre chose et l'autre différence qui est quand même très notable, je trouve, et ce qui fait souvent le choix des enseignants,
Alors ça peut être aussi une appétence pour le public ou pour le privé, ou etc. Mais c'est aussi que dans le privé, ce sont les chefs d'établissement qui recrutent. Donc en gros, si vous avez fait votre stage, vous connaissez un chef d'établissement qui veut vous recruter, vous avez votre concours, vous savez où vous allez. Dans le public, vous ne savez pas où vous allez parce que vous pouvez être envoyé n'importe où dans l'académie. Cela dit, pour la décharge du public, j'ai découvert que, vous savez, cette notion de... Même dans le secondaire, ils sont envoyés dans n'importe quelle académie de France. Donc souvent, les profs se retrouvent mutés ou nommés à Marseille. Et c'était fait à la base de la République pour être républicain, pour, en fait, si vous voulez, être fonctionnaire d'État, ne pas être nommé là où vous habitez. Parce que si vous voulez, si vous êtes nommé maire de votre ville, vous allez dire, bah, moi, je veux qu'il y ait le stade de rugby et puis le terrain de pétanque et puis pour mes amis. Vous êtes dans des logiques locales. Tandis que si vous êtes muté en fait, ailleurs, vous êtes censé défendre l'universalisme républicain et du coup pas être pétri de vos... Voilà. C'est ça un petit peu la logique. Donc souvent, les étudiants qui veulent être professeurs et qui ont peur d'être mutés très très loin, c'est sécurisant aussi, le privé, parce que c'est pas les mêmes logiques après d'orientation et d'aménagement. Mais du coup, la licence, en tout cas, c'est... on a à peu près les... Enfin, j'allais dire qu'on a à peu près les mêmes maquettes que toutes les autres licences de sciences de l'éducation, ce qui est un peu faux. On est quand même un peu plus professionnalisant. Mais c'est pas forcément... Enfin, ça dépend des profils d'étudiants. Donc, si vous voulez, pour rentrer en L1, on tend aussi à une réflexion. L'année prochaine, on va modifier quelques points de la maquette. Et je pense que ce qui se profile, c'est aussi qu'on pourra peut-être proposer des parcours. Ceux qui veulent être sûrs en L3, par exemple, d'être prof des écoles, ils auront du bachotage, de préparation à comment on tient une classe, même le concours, même comment on rentre dans le master, avec Parcoursup Master, maintenant, voilà. Donc, on aura ça. Et on aura peut-être un parcours un peu plus cadre d'éducation, les métiers de l'intervention sociale. Voilà. On est en train d'y réfléchir parce que c'est vrai qu'on a des promotions qui peuvent changer d'avis aussi en cours de route, qui étaient sûres de vouloir faire. Alors moi, mes deux parents sont enseignants, donc je finis prof. Là, on n'échappe pas à sa sociologie. Mais du coup, il y a des personnes qui sont persuadées de vouloir être prof, puis finalement, changent d'avis en cours de route. Donc on essaie aussi dans cette licence de rester à la fois professionnalisant, mais en même temps aussi de ne pas enfermer... les personnes qui se rendraient compte que finalement ils veulent faire autre chose et qu'avec ce diplôme-là ils peuvent rien faire, c'est absolument pas le cas. Alors, je crois que je vois deux questions. Je ne sais pas à quelle heure on doit libérer la salle. Il y a peut-être rien après, non? Ah, 13h, donc on a encore un petit peu de temps. Oui, bonjour monsieur, bonjour à l'équipe et merci pour l'accueil. Je voulais savoir si... Je ne voyais pas qui parlait, pardon. Je voulais savoir si les stages étaient compliqués à obtenir et si cela s'anticipait. Alors là, beaucoup en amont. Je vais laisser la parole à une personne qui va mourir d'envie de répondre à votre question, la grande spécialiste des stages depuis 28 ans dans la faculté. 27. Tu veux, Véronique? Mais viens, prends le micro. Oui, pour les stages, donc on vous donne en début d'année une liste de stages et en revanche, vous n'êtes pas obligé de faire un stage dans un lieu proposé sur cette liste. Non, il n'y a pas de difficulté pour trouver des lieux de stage. La seule petite difficulté, c'est parfois certains étudiants qui ont envie d'être à 50 mètres de chez eux. Mais ça arrive. Parce que, donc, on demande, il y a tout un processus, donc il y a une demande de stage qui se fait au tuteur, donc qui en général est acceptée. On accompagne même les tuteurs, donc il y a une quinzaine de tuteurs qui accompagnent donc, pour toutes les promotions, aussi bien sur Paris que sur Reims, et Rouen, puisque maintenant on ouvre également à Rouen. Et il n'y a pas de difficulté pour trouver des stages. Donc, ce qu'on demande, puisqu'il n'y a pas de difficulté, c'est que chaque année, un étudiant, par exemple, qui fait un stage au semestre 1, en L1, ne retournera pas au semestre 2 dans le même lieu. Par contre, l'année suivante, il peut tout à fait retourner dans le lieu de stage où il est allé au semestre 1 ou au semestre 2.
On encourage également une certaine diversité, c'est-à-dire même aller voir des domaines. Par exemple, si on veut être prof des écoles, essayez au moins parmi les 6 stages que vous pouvez être amené à faire, essayez d'aller voir dans des domaines complètement différents. Puisqu'on a la chance dans cette licence, et c'est quand même un point très très fort, vous parliez par rapport, tout à l'heure il y avait quelqu'un qui faisait de la comparaison par rapport à d'autres licences qui étaient proposées, le fait de pouvoir aller en stage, dont à l'étranger, vous pouvez partir également en stage à l'étranger, alors en général c'est pas au premier semestre, c'est au second semestre parce que le temps de faire les papiers, bon, même si on n'est plus en période de Covid, mais voilà, il faut quand même un certain temps pour faire les papiers. Donc vraiment, chaque année, vous pouvez, et là, on peut également proposer des lieux de stage à l'étranger. Voilà, donc on va peut-être se retrouver oui. sur le stand, d'accord. On peut éventuellement prendre une dernière question, voilà. si vous voulez, mais sinon, à moins que ce soit une question qui veuille être posée. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Une dernière, et puis après, on se retrouve vraiment sur le stand, vous pourrez... Est-ce que vous pouvez partir sur les côtés, s'il vous plaît, pas sur la porte principale, parce qu'il y a déjà des gens pour pas faire d'embouteillage. Si vous pouvez partir soit à gauche là, soit à droite là, mais pas au milieu. On se retrouve sur le stand, madame. D'accord. Vous voulez poser votre... Oui, allez-y. J'ai une question. En fait, l'ICP, c'est l'Institut catholique de Paris. Oui. Est-ce que le caractère catholique se ressent aussi dans l'enseignement? Oui. Et est-ce que c'est quelque chose qui imprègne un peu l'état d'esprit, alors, la vision de l'éducation? T'as dit oui, non. Non, oui, non. C'est-à-dire que s'il y a des valeurs, on va dire qu'il y a des valeurs, effectivement, qui traversent le fait de venir à l'Institut catholique de Paris n'est pas forcément anodin, mais c'est plutôt des valeurs humanistes. Hmm. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus, il n'y a pas des cours spécifiquement. Il y a quand même des cours autour des. Et qui peut ouvrir aux religions, mais il n'y a pas, on ne demande pas forcément. C'est un cours d'anthropologie catholique. Des religions, voilà, Par contre, il peut y avoir au niveau, il y a des, comment dire, il y a le patronat, disons qu'il y a, je ne connais que ça. L'aumônerie, voilà. Ouais. Merci. En fait, c'est plus... voilà. En fait, voilà. Ah oui, complètement. L'aumônerie, voilà, il y a quand c'est même une possibilité des à côté. Ce sont des possibilités c'est pas du tout dans auxquelles la sont invités les étudiants qui le souhaitent. Ouais. Il peut également y avoir des messes, des célébrations, mais il n'y a aucune obligation. Par contre, il y a une offre régulièrement qui est proposée. Merci. Voilà. Ah, et du coup, je voulais dire. Et auquel on peut également encourager les étudiants. La vision humaniste dont elle parlait, c'était le projet facultaire. Je n'en ai pas parlé. C'est le projet communauté éducative inclusive. C'est le doyen qui travaille sur trois choses accueillir, enseigner et évaluer. En fait, on fait des chantiers là-dessus sur la façon de l'accueil. Mais c'est plutôt l'ambition d'inclure plutôt toutes les différences que de c'est pas centré du tout sur la religion catholique quoi, c'est pas, ouais. Mais ça traverse quand même. Voilà, merci en tout cas, et on se retrouve sur le